Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Bonne année parce que c'est la toute première vidéo que je sors en 2022. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo tutoriel pour vous montrer comment j'ai réalisé ce chignon. Sachant que moi, mes cheveux, ils sont super fins, avec pas beaucoup de volume. Mes cheveux au naturel, faut savoir que moi, mes cheveux sont très très fins. J'ai vraiment pas de volume. En plus là je les ai coupés il y a un an, complètement rasés sur les côtés, donc ils sont vraiment trop courts, même derrière aussi, mais j'arrive quand même à les coiffer. Je commence par utiliser, enfin je vous ai pas montré, une crème pour les cheveux de chez Olive Oil. C'est une crème que je viens appliquer sur mes cheveux bien avant de poser tout ce qui est gel et tout ça. Utiliser mon gel éco. Vous savez qu'il existe en plusieurs modèles, hein, donc c'est celui-là que j'ai pris, la boîte rose, mais de toute façon j'ai jamais eu de différence entre ça et tous les autres, donc je vais prendre du gel que je vais appliquer sur mes cheveux comme ça. Je vais utiliser une brosse comme ça pour venir aplatir et bien plaquer les cheveux. Je pensais que c'était en train d'enregistrer, mais non. Donc je disais, regardez pas ma tête, j'ai mis un foulard comme ça pour bien aplatir et sécuriser les petits cheveux qui tournent autour. En attendant, j'ai un paquet de expression comme ça. J'aurai besoin que d'une petite partie, donc je vais préparer ça pendant que mes cheveux sèchent un peu, on va dire. J'ai pris ça comme portion brillantine dessus. Dans ma mèche, j'ai rajouté une petite corde décorative comme ça, et je vais mettre l'élastique au milieu, élastique ou bandeau, je sais pas, mais voilà, et je vais venir tenir ça comme ça. Ensuite je vais séparer ça en deux, je vais venir tourner ça. Après, je viens enrouler autour de ma queue de cheval de base que j'avais. Je vais utiliser des épingles pour fixer. Ça c'est bon. Donc je vais utiliser une paire de ciseaux pour couper tous les extras là.